Cédric, je ne t'entends pas. Bonjour, bonjour, bonjour Yannick, bonjour à tous. Nous voilà en 301, rendez-vous en 301, nouveau live qu'on crée à l'ESAM. Loin de toutes les promotions, loin de vous répondre à vos questions sur l'école et sur ses parcours, on est là pour reproduire des échanges qui ont lieu régulièrement dans ce fameux bureau 301. Pour ceux qui ne connaissent pas, le bureau 301 est le bureau de Yannick Roussel, notre directeur, qu'on accueille ce soir. Bonsoir Yannick. Bonsoir Cédric, bonsoir à Touman. Et voilà, et à Touman qui est étudiant à l'ESAM Paris qu'on accueille pour ce rendez-vous en bureau 301. Bonsoir tout le monde. À Touman a la chance d'expérimenter le concept. Exactement. Donc voilà, on expérimente le concept, on expérimente tout avec notre petite expérience des lives, donc on essaie de progresser à chaque fois. Et voilà, donc on est là pour un quart d'heure, 20 minutes. On vous remercie de nous suivre, on vous remercie de mettre des petits likes, des petits commentaires si jamais vous nous entendez bien pour nous confirmer que le son est bon. Et puis bah, voilà, si vous avez des petits commentaires, des messages à faire passer, soit Yannick Roussel, soit Touman, soit moi-même. Voilà, je vois déjà que nous avons, j'ai un ami, Arnaud Jumine, qui est connecté. Bonjour Arnaud. Voilà, allez, on est parti. On va commencer par... notre invité, on va lui laisser un peu de temps pour se présenter. On va du coup laisser à Touman nous dire un peu qui tu es. Déjà, depuis combien de temps tu es à l'ESAM, toi, Touman? Alors, je suis là depuis la première année, donc ça va faire 4 ans maintenant. Donc là, je suis en master 1, en spécialité finance d'entreprise. Et voilà, avant ça, j'étais en prépa. À la base, je faisais des études pour devenir chercheur en mécanique. Et finalement, c'était pas trop le chemin que je voulais suivre. Et j'ai préféré la finance, donc j'ai atterri à l'ESAM. Et voilà. Du coup, ça fait 4 ans que je suis là. Et c'est un plaisir, en tout cas. D'accord. On salue Sandra Bertrand qui nous a rejoint, ta responsable formation. Et on la laisse libre nous faire tout commentaire et toute anecdote à nous raconter à ton sujet. On a Jérôme qui nous a rejoint, Marie-Thérèse qui est là aussi, Karine Leclerc, bonjour Karine. Voilà. Alors on continue dans le vif du sujet. Si on devait te demander à Touman de citer un cours qui serait ton cours préféré à l'ESAM, ce serait lequel? Alors ce serait le cours d'évaluation financière, parce que j'aime beaucoup ça, on se plonge dans les états financiers des entreprises et on va vraiment chercher la petite bête à l'intérieur. Et ça j'aime beaucoup. Et le prof qui fait ce cours-là, c'est Monsieur Hir Olivier, que j'aime beaucoup du coup. D'accord. Donc Olivier, d'ailleurs, qui nous suit, on lui passe, transmet nos amitiés. On espère que ça se passe bien. Je sais que les cours continuent pour lui, donc voilà. Bonjour Olivier. Si on devait te demander un de tes meilleurs souvenirs à l'ESAM? Un de mes meilleurs souvenirs, ça reste mon voyage en première année à Dublin. On est allé, bon, bah, pour ceux qui ne savent pas, en fait, à l'ESAM, en première année, on a l'opportunité d'aller à l'étranger. Il y a une partie de la promo qui va au Canada, à Sherbrooke, je crois, je ne sais plus exactement. Et il y a l'autre partie qui va à Dublin, en Irlande. Et moi, j'avais choisi l'option d'aller en Irlande parce que mon niveau en anglais n'était pas super bon. Mais finalement, je suis allé à Dublin, j'étais en colocation avec des amis. Au départ, j'étais en famille d'accueil, après j'étais en colocation avec des amis. Et c'était une superbe expérience parce que bah, on était immergé dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout. On avait les cours, donc c'était le principal point de repère. Mais à part ça, on a découvert un peu le pays, on se promenait beaucoup dans les villes de Dublin. On a profité aussi pour faire des petits voyages en Irlande. Donc honnêtement, c'était ma meilleure expérience à l'ESAM. Ok. Yannick, un petit mot sur Atouman, le regard du directeur. C'est vrai que moi, j'entame ma troisième année. Enfin, ça fait 3 ans et demi que je suis à l'ESAM. Donc, on a presque quelque chose de commun. C'est au moins depuis notre temps passé à l'ESAM, tous les deux. On a souvent eu des discussions, Atouman et moi, parce que évidemment, on dit que ce sont les rendez-vous du 301, mais je pense que Atouman est souvent venu discuter dans le bureau, soit pour
être porte-parole de ses camarades parfois, ou parfois des désaccords, ou c'est arrivé hein, à Touman, je crois, ou des réajustements de formation, hein, comme j'ai l'habitude de dire aux étudiants, vous êtes acteurs de votre formation, donc s'il y a un problème, venez me voir. Donc effectivement, à Touman, on se connaît bien, je crois. Ouais, je crois qu'il aura l'occasion de nous en parler un peu plus tard dans la série. On n'a pas relevé, mais je vois que tout le monde a joué le jeu, tout le monde a son suite exam. C'est beau, que ce soit à tous les niveaux de l'école. Oui, c'est-à-dire que ce suite est devenu vraiment célèbre dans l'école, puisque toute l'équipe, quasiment à 100%, le porte le vendredi. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont fiers de mettre ces suites. Donc, j'invite les jeunes qui nous rejoindront un peu plus tard pour faire leurs études à l'ESAM. Je les invite, si un jour ils veulent porter ce suite, faudra venir nous rejoindre. Parfait. On enchaîne avec le petit sujet suivant. Pas de problème. Et c'est parti. Hop. Alors là, ça va être questionnaire croisé. On a un petit questionnaire pour tous les deux qui concerne le confinement. Alors ma première question, je vous laisse en prendre connaissance. Confiné seul ou à plusieurs? Alors qui est-ce qui commence? C'est toi, Touman, ou c'est Touman, allez, à Touman. Ah, ok. Moi, je suis confiné à plusieurs, avec mes frères, ma sœur et mes parents. Donc, ça fait une belle petite famille. Excusez-moi. On est plusieurs dans la famille. Du coup, ça fait qu'on s'ennuie pas beaucoup dans le confinement. On discute tout le temps, on regarde des séries tous ensemble et on vit bien le confinement, en tout cas. C'est un message, Yannick Abdelmekouar. On est amiens et fiers de l'être. Ouais, ça c'est vrai. Je salue Abdel. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce message. Très sympa. Il y a Pierre-Emmanuel aussi. Je vois les commentaires et qui dit les anciens avec un point d'interrogation évidemment. Pierre-Emmanuel est resté proche de l'ESAM, donc un grand bonjour à lui. Et il vient quand il veut au 301. Il y a absolument aucun problème. Ah oui, alors petite précision, au 301, on accueillera, comme toujours, des étudiants, des professeurs, des membres de l'école, des salariés et aussi des anciens. Donc, sur ces petits rendez-vous qu'on aura régulièrement, vous verrez passer tout type de personnes de la communauté ESAM. Donc, vous n'inquiétez pas, effectivement, on invitera des anciens. Et bien, Pierre-Emmanuel, l'invitation est lancée. Ouais. Donc, confiné seul ou à plusieurs, Monsieur Roussel? Confiné à plusieurs, avec ma compagne et sa fille, oui. Confiné à plusieurs, avec beaucoup d'occupations, beaucoup de travail, chacun de son côté. Donc finalement, c'est vrai qu'on se retrouve pour déjeuner et pour dîner, puisque le reste du temps, on est en téléconférence bien souvent. Très bien. Ou en live. En live, justement. Alors, votre livre de confinement, est-ce que ça lit déjà pendant le confinement? Pardon? Est-ce que ça lit pendant le confinement, à Touman? Alors, moi, d'habitude, je ne lis pas beaucoup, mais du coup, là, avant le confinement, comme par hasard, j'étais allé à la FNAC et j'avais acheté 2-3 livres, donc je m'y suis mis, je lis un peu au fur et à mesure. Et du coup, ça fait que le livre que je lis là actuellement, ça s'appelle « Le banquier de Lucifer ». C'est un livre qui parle un peu des lanceurs d'alerte, pardon. Et dans ce livre, ça retrace un peu l'histoire de Bradley Birkenfeld, qui était un banquier qui travaillait en Suisse et qui parle un peu des fraudes fiscales qui s'étaient passées, enfin de la plus grosse affaire de fraude fiscale du 21e siècle. Et voilà, ça parle un peu de ça. Je ne veux pas spoiler au cas où des gens voudraient le regarder, mais c'est super intéressant. En tout cas, ça parle de son passage en prison, de sa vie un peu de financier, il était super à l'aise, et de sa vie après avoir lancé l'alerte. Très bien, Yannick.
Alors là, moi, je suis aussi assez particulier puisque j'ai des fois plusieurs livres d'entamer. J'ai objectivement pas beaucoup le temps de lire pendant le confinement, à part pendant les jours de repos. Donc j'ai deux livres que j'ai entamés, que je n'ai pas fini, mais que j'ai entamés. Un livre de Philippe Bloch que j'avais depuis longtemps, puisque Philippe Bloch, je l'ai rencontré. C'est un monsieur que j'ai rencontré qui avait écrit Service compris, qui a eu beaucoup de succès. Et je suis en train de lire Startup Academy. Vous allez trouver ça bizarre. Comprendre et s'approprier les secrets d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, ça, c'est pour l'anecdote. Et j'invite Philippe Bloch, si jamais il nous regardait, à venir partager un live avec nous, puisqu'il devait. On devait se revoir pour la Why Not Factory. Parfait. Et puis, chronologie de la littérature française, ça n'a rien à voir. C'est aussi ma marque de fabrique, c'est de mélanger un peu tout. Et là, je revisite un peu les grands auteurs à travers les périodes de l'histoire française. Donc, et ça recale un peu. Sur la culture. Voilà. Vous savez à quel Alors, point je suis attaché à cette culture. exactement. Dans nos concours, il y a toujours des exercices de culture générale. La musique de confinement maintenant. Alors, qui est-ce qui commence? Ah, monsieur, je vous laisse commencer. Ah, toi, Thomas, Alors moi, ça va être simple. J'ai rencontré aussi dernièrement un jeune chef d'orchestre un peu particulier, très moderne, je suis allé voir au Grand Rex et effectivement, je l'ai rencontré. J'ai du coup eu son CD et je le passe en boucle parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et en plus, c'est un monsieur avec qui on va sans doute travailler avec les âmes parce que on fait l'analogie ensemble entre, lui le fait déjà, entre le management et le métier de chef d'orchestre. Ce monsieur s'appelle Odino, de son vrai nom c'est Sylvain Odinowski, et c'est vrai que son disque est en boucle chez moi. Et toi, Thomas? Alors ça varie entre la musique classique et la musique pop-rock. Ok. Moi, j'avoue que ça dépend. Vu que là, je suis en alternance, donc ça fait que pendant que je travaille, j'écoute plutôt comme un peu Monsieur Roussel la musique classique. J'aime beaucoup. Parce que j'ai beaucoup regardé des opéras, tout ça, donc j'aime beaucoup la musique classique. Mais par contre, quand c'est dans les moments où, bah, j'ai pas grand-chose à faire. Il y a l'album de Nino qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est un rappeur et j'adore son dernier album. Donc je l'écoute en boucle à chaque fois. Parfait. Ok. Alors on passe Bien. à votre série de confinement. Est-ce que vous avez suivi une série? Après on va en parler d'ailleurs avec Atuman, ça. Tu commences Atuman? Ouais, ok. Moi, la série que j'aime beaucoup regarder, c'est The 100, ou Les 100 en français. C'est une série sur Netflix qui parle de personnes. Enfin, c'est une série un peu post-apocalyptique où des personnes sont allées dans l'espace parce que sur la Terre c'était devenu un peu radioactif, donc la vie était plus possible sur la Terre. Et après, ils reviennent sur la Terre, ils redécouvrent un peu certaines choses, ils se rendent compte qu'il y avait des gens qui avaient survécu. Donc c'est un peu ce jeu de géopolitique et d'alliance qui se crée. Donc j'aime beaucoup cette série. Mais voilà. Ok. Yannick, une série pendant Alors non, un... j'ai pas de série, j'ai pas cherché à me fabriquer une réponse. Hein, alors c'est peut-être générationnel, mais effectivement les séries, je me méfie un peu parce que si jamais je regarde une série, j'ai peur d'être vraiment attiré et de passer beaucoup de temps. Et je suis quelqu'un d'impatient et que si jamais je sens que je peux avoir la suite à chaque fois, j'ai peur de passer beaucoup de temps. Donc j'avoue que j'ai vécu ça sur une série que j'ai regardée il y a quelque temps et à la fin ça m'a c'est vrai que c'était difficile de ne pas y aller. Donc là j'ai pas de série. Tu as Alexandre Soldat qui te dit que c'est nul, 200, Touman.
Ah, salut Alexandre. En plus, c'était un copain de classe en bach. Ah, non, pardon, excuse-moi, je me suis Alexandre trompé. Soldat. Oui, pardon. Oui, Alexandre. Ah, bah, excuse-moi, Alexandre, mais c'est une belle série. Hein. Parfait. Et du coup, je vais en profiter pour répondre à une question qui me posait à moi de Jennifer. Et j'allais d'ailleurs y répondre sans sa question, mais du coup, j'en profite de sa question. Moi, la série que je recommande à tout le monde, et notamment, je te recommande à tout le monde fortement si tu aimes le rap et le hip-hop, c'est Validé, la nouvelle série de Frank Gastambide qui est vraiment magnifique. Et pour ceux qui ont été fans de Gomorra, c'est filmé le grain, tout pareil, la lumière, c'est inspiré de Gomorra, c'est très beau. Très belle série, très bien faite, très réaliste, je pense. Voilà, je vous invite à la regarder. Dernière question sur la boîte à questions du confinement. Ce qui te manque le plus du campus pendant le confinement? Ce qui me manque le plus du campus pendant le confinement. Bah, en vrai, sur le campus, la seule chose qui me manque, c'est plus mes camarades de classe. Parce que je les vois plus. On s'appelle quelquefois en visio ou par téléphone, mais bon, c'est pas la même chose que se voir en face et et discuter. Donc, je dirais que c'est vraiment la principale chose qui me manque en tout cas. C'est quoi? C'est Okan qui te Enfin, le. Ah non, pas, bah, il n'y a pas que Okan, il y a plusieurs personnes. Ah ben moi, pour moi, je te vois souvent avec, c'est pour ça. Ah oui, c'est mon soulmate. Donc on se promène souvent ensemble, on a fait plein de projets ensemble. Depuis la première année, on avait fait le BDE, on avait fait bah, le FF, Exam Financial Factory, on l'a fait ensemble. Donc, et même à Dublin, on était en colocation ensemble avec deux amis aussi. Donc ça fait que avec Okan, on a vécu plein de choses depuis la première année, en tout cas, donc on se promène ensemble souvent, en vrai. Et toi, alors, je crois qu'Abdel fait le faillot, non? Je pense aussi. À tout moment, tu aurais pu dire ton directeur quand même, je comprends pas. Ah, monsieur, mais. Moi, ce qui me manque, effectivement, bah, c'est de ne pas pouvoir rencontrer mon équipe plus régulièrement. C'est vrai qu'on se voit souvent via les écrans interposés, mais j'aime tout de même cette ambiance d'école, cette vie. Parfois, je vais pas dire, on s'emporte un petit peu. C'est très vivant, l'école est très vivante. Donc ça, effectivement, ça manque un peu. Voilà. On a Mais le il faut être commentaire, donc patient. Okan qui a fait un petit commentaire. Oui. En plus, Okan, avec ta coupe de cheveux plus deux frères, on a presque dit l'affiche du dessin animé avec les deux tigres. Ouais. Ah, il y a Sandra qui est jalouse. Sandra Ouais, qui dit j'ai vu ça. SARF. Ouais. Non, honnêtement, ouais, Sandra, tu nous manques beaucoup. Hein. Parfait. Décidément, Ah ouais, c'est. Alors, je suis perdu. On en arrive à la quai. Alors, on va accueillir alors je ne sais pas pourquoi j'ai pas le jingle de ça, mais c'est pas grave. On va accueillir un nouvel invité qui va être l'occasion de vous présenter une nouvelle personne qui est arrivée depuis peu à l'ESAM, en la personne de Bessem Hassen qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Bessène. Ah, salut Bessem. Bonjour Cédric. Salut Et Yannick. Salut euh, Yannick. alors Bessène va animer Bonjour. sa petite rubrique. Il y avait un jingle, alors il a disparu, je sais pas où il est, mais au moins voilà. Donc qui est la question qui empêche Bessène de dormir. Je vais du coup lui laisser la parole à Bessène. Et il a donc du coup une question, la Merci. question à 1 million pour Atuman. C'est ça. Du coup, voilà pour un peu. Mettre un peu, pas des pièges, mais un peu de l'ambiance dans ce live. Donc j'ai une question qui n'est pas facile, mais il y a quand même un petit cadeau à la clé. Et donc voici la question, c'est comment s'appelle le bateau du commandant Charcot, l'explorateur? Alors, je suis pas trop Tu as 15 calé en secondes. exploration, mais oula. Alors là, non, je donne ma langue au chat parce que franchement, j'aurais pas cette réponse. Bah, c'est un explorateur qui a un peu exploré le nord de la planète, non? Non, franchement, ça me dit rien du tout. Bon, alors, il s'appelle le Pourquoi pas. Et je Le pense que pourquoi? Yannick connaît bien cet explorateur.
Alors oui, je trouvais intéressant l'analogie avec le pourquoi pas, puisque Charcot, quand il était gamin, rêvait de bateaux et de voyages. Et pourtant, dans sa famille, personne n'était navigateur ni marin. Et à chaque fois qu'on lui demandait, lui il répondait toujours pourquoi pas. Et en fait, il se trouve que cette remarque du pourquoi pas a donné naissance à la Why Not Factory, qui est notre incubateur. Donc voilà, je trouvais l'analogie assez intéressante entre les deux histoires. Voilà, Touman, et tu avais la réponse sous le nez. Why Not Factory? Effectivement. Bon, en Voilà, tout cas, parfait. merci à Touman. Et bon, tu es le premier de la série, donc je salue ton courage pour la participation à cette question. Ouais. Mais je dormirai plus tranquille maintenant. Et on te laisse ton suite à Touman, tu as encore le droit de le garder. Franchement, si vous m'enlevez ce suite-là, par contre, ça va être compliqué. Là, il va Parfait. répondre surtout pas. Et merci BSM. Et puis, j'en profite pour présenter BSM, qui BSM est notre, pas notre nouveau, mais un nouveau responsable de relations entreprises à l'ESAM. Il rejoint l'équipe que vous connaissez déjà avec Marion Vidal et Chiara Capelli, qu'on salue vivement. Voilà, merci Salut Eric, BSM. À avec plus tard plaisir. BSM. Bye. Salut. Au revoir. Alors, maintenant, on va passer au petit moment que certains vont envier, Touman, une petite rubrique qui va être sûrement dans les prochains lives un peu plus corsée qu'aujourd'hui. Tu as la chance d'ouvrir ce bal-là et Yannick a le courage de jouer le jeu. Donc, on est parti pour. L'entretien de motivation du directeur. Donc là, Yannick, je vais sortir de la pièce et je vais te laisser passer ton entretien avec Atouman qui a des questions a priori à te poser. Bon courage. Ben oui, ben je fais face. Alors, à Touman. Alors, Depuis moi, c'est... 4 ans, c'est quelle question que tu as envie de me poser? Non, honnêtement, moi, c'est plus des questions d'actualité, du coup. Parce que à chaque fois que je viens dans le bureau 301, c'est plus pour poser des questions du point de vue administration. Donc là, avec le confinement, on se demandait, je pense que tout le monde se pose un peu la question de comment ça se passe à l'ESAM, mais non seulement en tant que directeur, mais aussi en tant que du coup manager d'équipe. Parce que nous, de notre côté, les élèves, on a plutôt le bon sentiment que tout se déroule au mieux. Je sais que c'est un peu compliqué, mais ça, pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est que ça se déroule bien. Avec les cours, tout ça, on arrive à suivre les cours sont maintenus, il y a peut-être des petits retards dus à des erreurs techniques, mais honnêtement, tous les cours sont tenus et ça marche bien. Donc, on se demandait comment ça se passe, vous, de votre côté, à l'intérieur. Ah, alors c'est une bonne question. Franchement, déjà, je pense qu'il y a une partie de l'équipe qui nous regarde et je voudrais les remercier parce que les RF, par exemple, et leurs assistantes ont tout mis en œuvre pour vraiment que les étudiants ne manquent de rien. Alors c'est vrai que les écoles en font aujourd'hui des paquets sur le sujet et ça ne marche pas toujours, j'en ai des fois la preuve. Pour l'instant, le retour que j'en ai, ça marche bien. Pour le directeur que je suis, en fait, c'est tous les matins avec l'équipe de développement, à 9 h, on fait une conf call, on fait une conférence pour regarder nos actions, mesurer nos actions, comment le marché réagit à l'ESAM, comment on nous suit, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un, alors je pense que tu le sais, mais je suis ingénieur de formation. Et ce qui fait, des fois, ça met pas mal de pression sur mon équipe, mais moi, j'aime bien les indicateurs, j'aime bien qu'on mesure nos avancées. Donc, on passe à peu près 1 heure ensemble tous les matins pour mesurer un peu tout ça, pour tout vérifier. Et il se trouve que je redécouvre différemment l'école parce que... Quand on était sur le campus, effectivement, on ne faisait pas des réunions de développement tous les matins. Et je pense que c'est une bonne habitude. Après, je voudrais aussi remercier le groupe IGS
puisque c'est quand même une... Je pense que c'est une vraie performance d'avoir mis plusieurs centaines de personnes en confinement avec tous les outils qu'il faut pour que nous, on puisse continuer à vous abreuver en cours. Ça, c'est très important. On a un service, la DSI, qui a fait un boulot absolument incroyable. Donc, là, le mérite ne revient pas qu'à les âmes. Je pense que le mérite revient aussi au groupe EGS et toutes les composantes qu'on a autour de nous pour faire du bon boulot. Donc oui, ça se passe très, très bien. Et puis, voilà, ça donne beaucoup de travail. Ça, c'est vrai. Et vous le savez, de toute façon, on a l'habitude de bosser beaucoup. Moi, je passe beaucoup de temps à l'école. Et là, je passe beaucoup de temps en conférence pour toutes les réunions, des codir, et j'ai l'impression quand même que rien s'est vraiment arrêté. Évidemment, le contact humain n'est plus là pour l'instant. Ça va revenir, mais c'est ce qui me manque, moi en tout cas. Mais autrement, oui, tu as raison. On a su bien travailler tous ensemble. Donc voilà. Est-ce okay. que tu veux un complément de réponse ou est-ce que Non, ça va. J'avais juste peut-être une deuxième question qui continue votre propos. C'est est-ce que du coup il y a des choses qui vont changer pour la rentrée prochaine, vu que là on sait pas qu'on c'était pas voulu, mais on expérimente un peu la téléformation. Est-ce que ce seront des choses qui vont arriver dans les, je sais pas, l'année prochaine pour la rentrée prochaine, ou comment vous le ressentez vous de votre côté du coup? Alors, du coup, c'est marrant, j'ai l'impression que tu as discuté ou que tu fais partie de nos réunions. parce ah que... oui, excusez-moi, monsieur, juste pour la petite anecdote, Marie-Thérèse, c'est ma mère, du coup, donc elle est en train de répondre. Oui. Ça, c'est très bien. Alors, je vous salue, madame, et je suis heureux d'avoir votre fils dans l'école. Sur les changements, effectivement. Alors, vous êtes habitué parce que depuis que je suis arrivé, effectivement, il y a des nouveautés tous les ans. Que ce soit des nouveautés pédagogiques, on a sorti des programmes experts, on a avec les MBA, on a fait le master Why Not Factory, qui est un master un peu spécial hors des amphis. Donc, on sort toujours. Mais là, effectivement, et là, tu as vraiment raison, avec l'équipe pédagogique, on s'est promis de maintenir quelques cours comme ça, en distanciel. On ne peut pas faire que ça, évidemment, vous en doutez. Mais parfois, ça peut nous arriver d'avoir des profs qui sont un petit peu plus loin. Et plutôt que de venir faire le cours directement et sur Paris, peut-être qu'on peut donner des cours de ce type-là à distance. Et puis, peut-être aussi d'avoir des conférences un peu plus élevées. Moi, j'ai des amis un peu partout dans le monde et qu'on ne peut pas faire toujours intervenir facilement. Donc, ce sera peut-être l'occasion de conférences, de cours, effectivement. On fera un mélange de tout ça. La technique est là et j'ai remercié mon équipe tout à l'heure. J'ai remercié pas mal de gens et j'ai quand même oublié les professeurs parce qu'ils ont quand même fait un effort extraordinaire et je sais que certains d'entre eux, c'était pas forcément leur tasse de thé, où ils avaient une certaine appréhension de la technique d'abord et puis de pouvoir donner des cours à distance. Et ma foi, j'ai des professeurs vraiment souvent, soit par messagerie ou au téléphone, et ils sont vraiment heureux d'avoir fait d'avoir rempli leur mission. Donc voilà, oui, ça changera sans doute. Une partie de la pédagogie de l'école, certainement, sans nul. D'accord. Ok. Voilà. Et la dernière. Deux questions, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah non, normalement, c'est trois questions, monsieur. Oui, c'est vrai. Trois questions et j'ai le droit à un joker. Non, mais je pense que vous allez payer forcément utiliser le joker sur la dernière. C'est juste. Tout à l'heure, vous en avez parlé un peu. C'est juste la partie personnelle du confinement. Comment ça se passe?
Votre journée type, comment vous la vous décrirez une journée type en confinement? Parce que du coup, je sais que les hommes, d'habitude, quand j'arrivais tôt le matin, je voyais que vous avez et le journal et un petit café. Oui. Et après, vous enchaînez au bureau et après, vous faites le tour de la pédagogie, de l'administration, tout ça, de la communication. Mais du coup, là, quelle serait votre journée type là de travail à distance, du coup? Ben, j'ai pas beaucoup varié mes habitudes, hein, à part que je ne suis pas dans mon bureau. Quand j'ai su qu'on allait être confiné, d'ailleurs, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur mon bureau quasiment, et j'ai reconstitué mon bureau chez moi, ici. Y compris l'écran, les haut-parleurs et tout. Je commence très tôt, 7 h du matin. 7 h du matin, je suis devant mon ordi, j'essaye de regarder mes tâches et il y en a beaucoup. Et puis après, s'enchaîne, et c'est ça qui est difficile, à partir de 8 h, 9 h, s'enchaînent les premières réunions et là, c'est une journée de réunion. Donc, il y a quelque chose qui m'est. Enfin, j'accorde beaucoup d'importance à une coupure à un moment. Donc, j'ai gardé ma coupure de midi parce que si vous avez l'habitude de me voir, c'est vrai que le midi, je sors pour déjeuner. Là aussi, je sors pour déjeuner. J'habite pas loin d'une forêt. Là, je vais faire une balade tous les midis. Et voilà. Et je rebosse jusqu'au soir vers 19 h. Donc, des réunions de direction, des réunions de développement. Là, juste avant, j'avais une réunion avec le Togo, parce qu'on va probablement faire une formation déportée au Togo. Donc, voilà, mes journées sont rythmées par les décisions et par les différentes réunions. J'ai eu aussi une réunion avec le directeur marketing du groupe, juste avant, là. Donc, voilà, c'est la journée d'un. Je dirais presque normal d'un directeur, mais confiné. Ok, d'accord. Bon bah merci, hein, vous avez répondu à toutes les questions. Merci, c'était un plaisir. Maintenant, Voilà. Cédric, il peut revenir. Ah, Et il est bien, en je train suis de revenu. revenir. Voilà, je suis revenu. Bien, je suis revenu pour lancer la dernière rubrique qui, j'espère, vous plaira. Je la lance, on est parti. Voilà, on va vous laisser tous les deux nous donner un peu votre souvenir, un souvenir, un seul souvenir, hein, parce que Yannick qui pourrait passer des heures. Donc il Ah va faire un oui, petit ah tri, il oui. va falloir laisser des souvenirs pour les prochains lives. Ouais. Donc un souvenir du 301, peut-être que je laisse à tout mal. Alors Antoine a le droit de ne pas en avoir. C'est jamais bon signe d'avoir un souvenir du 301. Parfois c'est un mauvais signe, c'est comme un lieu de fête, un lieu de rendez-vous, un lieu de réunion, un lieu de conseil de discipline. Voilà. On peut parfois avoir de mauvais souvenirs du 301 aussi. Donc, à tout moment, ton souvenir du 301? J'en ai pas un particulier parce que je vais souvent voir monsieur le directeur à chaque fois, mais ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que j'y allais, bah, du coup, la porte était ouverte. J'y allais souvent, la plupart du temps, c'était pour avoir des conseils parce que c'était soit pour monter une association, soit pour avoir des conseils d'orientation pour les études, tout ça. Donc, j'en garde un assez bon souvenir du 301. J'ai jamais été convoqué pour l'instant, en tout cas, pour des conseils de discipline ou pour me faire remonter les bretelles. Enfin, peut-être remonter les bretelles, peut-être une ou deux fois parce que les associations, bah, j'allais le voir pour savoir si c'était bien géré ou pas, et du coup je me faisais un peu remonter les bretelles pour que les choses repartent sur le bon track et que ça fonctionne bien. Donc honnêtement, j'en garde un bon souvenir jusque-là, et j'espère que ça va continuer parce qu'il reste encore une année. Donc voilà. Alors, Et avant il y a qu'Yannick pas vraiment. réponde, il y avait une question de Jérôme, du coup, à Touman. C'est vrai qu'on a oublié de te poser la question. Tu le recrutes, Yannick, ou pas alors? Ah oui, je le recrute, bien sûr, il est admis. Il Avec est admis, mention même, ouais, avec mention. dis-je. Ah oui, il faut souligner avec mention, c'est bien. Bon, alors Alors, Yannick. évidemment, vous le savez tous, c'est difficile pour moi de choisir. Un meilleur moment. C'est pas un meilleur moment, hein, c'est un souvenir, ça peut être un mauvais souvenir Oui, aussi, hein. un meilleur souvenir. Mais moi, le souvenir que j'ai, c'est que j'ai l'instant là qui me vient, c'est en fait quand je suis arrivé à l'ESAM,
J'ai vu débarquer dans mon bureau quatre étudiants de cinquième année, même cinq, pour me dire, monsieur, ils étaient tout timides à l'époque, on a peut-être un projet à vous présenter. Moi, j'avais dit, présentez-moi les projets, les étudiants, je le dis toujours d'ailleurs en amphi, parce que jusqu'à là, j'ai jamais refusé de projet. Et ces jeunes-là m'ont proposé de faire le premier concours à Harvard. Et là, je me suis dit, waouh, là, il faut être ESAM. Je ne savais pas à l'époque, ça faisait 2 mois que j'étais à l'école, donc j'ai fait un pari. Ça m'a pris presque 20 secondes pour décider. Et de fait, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on monte ce projet. Hein. C'est devenu un projet pédagogique. Et donc, ça reste un excellent souvenir. Et d'ailleurs, ces étudiants, je les ai rappelés pour aider un de nos professeurs à bâtir le MBA fusion-acquisition. Donc voilà, ça reste un souvenir quand même assez mémorable. Parfait. Ben, merci. Ben ça, on arrive à la fin de cette émission. On va passer... à la conclusion, bah déjà moi je suis ravi, ça n'a pas été simple, on a beaucoup travaillé aujourd'hui pour arriver techniquement à ce résultat, à Touman, avec notre ami Bessem que je vais inviter à nous rejoindre pour la fin. Ça a été un sacré travail technologique, et effectivement on a eu à faire face à des problèmes de connexion, des webcams récalcitrantes. Donc c'est cool, ça a bien fonctionné, on est content parce que du coup on a fait plaisir à nos proches et c'était le but de ce petit rendez-vous et de se faire plaisir nous déjà aussi. Comme je disais en début, loin de toutes les considérations commerciales d'un côté, de cours, d'organisation pédagogique ou autre, c'était vraiment de passer un bon moment ensemble et on l'a passé, c'était sympa. J'en profite pour inviter tous ceux qui souhaiteraient participer, donc on a déjà noté qu'il y a des anciens... qui veulent venir, n'hésitez pas, si vous voulez faire le prochain rendez-vous en 301 en live avec Yannick Roussel, envoyez-nous un message et on prendra vos candidatures au sérieux, et puis ben, on fera le plus de live possible dans les au moins 4 prochaines semaines, parce que c'est le délai, mais on sait qu'on ira beaucoup plus loin, puisque nos chers étudiants, on ne les retrouvera sûrement pas dans 4 semaines, donc on continuera à faire ces émissions-là. Je vais laisser à Touman peut-être un petit mot de conclusion et puis bah, après Yannick clôturera cette première émission et je vous remercie à tous les trois. Merci à Touman, merci Yannick, merci Bessem pour votre participation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Non, mais moi, c'était juste pour vous remercier parce que bah, du coup, je suis le premier invité sur le rendez-vous en 301. Donc, bah, je suis très content et très honoré d'avoir ouvert la marche. Et je pense que ça va bien se passer pour la suite du coup. Je souhaite que les prochains n'aient pas les mêmes problèmes techniques que moi parce que c'était la belle aventure cette journée. Mais sinon, c'était une agréable expérience en tout cas. Merci Yannick, à toi pour le mot de la conclusion. Moi, comme chaque fin de live, je veux absolument remercier mon équipe de développement, Cédric, Bessem, Jérôme, Séverine et Marion qui nous accompagnent souvent sur les lives et qui m'accompagnera encore demain. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui va m'accompagner ou moi qui vais l'accompagner, puisque le terme, c'est l'alternance et je pense qu'elle aura beaucoup plus la parole que moi. Merci, c'est vrai que techniquement, c'est toujours un petit peu le stress avant de démarrer parce que 4 minutes avant, j'étais toujours pas connecté avant le démarrage, donc c'est vrai que c'est toujours un peu le stress. Finalement, j'ai beaucoup apprécié, donc effectivement, à Touman, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier rendez-vous en 301, c'est amusant. Et puis, voilà, je pense que on t'a pas choisi non plus par hasard, hein. C'est vrai que t'es un étudiant qui marque beaucoup la vie de l'école, et c'est normal. Moi, je vous ai vu aider les autres. J'ai été témoin de beaucoup de solidarité que vous avez apporté dans l'école. C'est l'école que j'aime diriger. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Et puis, ben voilà, je vous donne rendez-vous demain, 18h,
ESAM Live spécial alternance. Et je vous souhaite à tous une bonne continuité de confinement, puisqu'on a appris hier que ça allait continuer un peu. Et puis, une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci Yannick. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.